Est-ce qu'on est là? Oui, bonsoir! Allez, on y va! Avec le papier peint, avec tout ce qu'il faut, on s'installe tranquillou. C'est le retour des Ali Café. On est bon? Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Comment ça va de votre côté? Ouais, c'est le retour des Allées Café. Ça y est, maintenant, il y en a plein. Bon, on va pas non plus prendre la confiance et commencer à faire des lives tous les deux soirs. Hein. Mais la motivation est intacte. Et donc, c'est le plaisir de vous retrouver aussi pour ces grands moments de basket en direct. J'espère que vous allez bien, vous qui êtes derrière cet écran. Il fait très froid, je sais, dehors. Mettez-vous bien au chaud, bien à l'abri. J'espère que vous, ça va, que vous avez bien démarré la semaine. Il y en a qui ont démarré leur petite lampée protocolaire de café avant une grosse nuit de match. Oh putain, 14, regardez la taille, guette la taille de ce bandeau. 14, putain de match. 14 matchs, 28 équipes sur 30 qui jouent. Et il y en a une notamment qui ne joue pas. Et donc j'ai décidé de m'en occuper ce soir. Si vous avez vu le teasing, on va s'occuper notamment de nos amis les Pistons. J'ai mis en place et monté un dossier d'une violence rare. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en débattre avec vous. Puisque nos amis de Détroit sont sur 12 défaites de suite. Puis je me suis posé des petites questions. Donc on va parler de ça, on va revenir sur les matchs d'hier soir rapidement, on va s'occuper des Détroit Pistons avec évidemment la fanbase et les gens qui regardent cette équipe de loin sans être forcément fan de cette franchise historique. Et puis après, si on a un petit peu de temps, on reviendra évidemment sur les matchs à venir là avec quelques petits pronostics, débattre ensemble un petit peu d'actu et puis voir si vous avez des questions, on va y répondre. On est bon ? Je crois qu'on est bon, on est pas mal. Allez, comme d'habitude, s'il vous plaît, je vous laisse me dire dans le chat comment ça se passe, d'où vous êtes, d'où vous venez. Je sais, je crois que j'ai vu Catch and Shoot là qui était sur le live. N'hésitez pas à aller sur son compte Twitter, il a fait une dinguerie de thread, notamment basée sur des images d'intelligence artificielle incroyable. On a presque le même âge avec Alex. Merci pour cette masterclass. Merci, c'est un vrai plaisir. Il y a des gens de Brest, bonsoir, du Beaujolais. Salut à mes copains et amis de Bruxelles, de Caen, de Tarbes, de Guadeloupe, de Perpignan, du Sri Lanka. Incroyable, du Val d'Oise, de Saint-Étienne. Salut aux gens d'Orléans. Bonsoir à Châteauroux, Bastia. Mes amis corses, mes fratés corses, vous êtes là. C'est bien. Biarritz, c'est dans la place. Strasbourg, San Francisco, la Normandie aussi. Bonsoir à tous les copains et copines de Lille, de Bergerac. Formidable cité de Bergerac, de Toulouse. 69, la trique. Salut du Var. Bonsoir aux copains et copines de Vannes, de Biscarros. Du Sénégal. Salut à mes frères et sœurs du Sénégal, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Zagreb. Formidable, vous êtes partout du Chili. Incroyable, Chili. Les gens sont partout, c'est formidable. J'espère que ça va, où que vous soyez. En plus, il y a des décalages horaires, c'est fou. Ici, en tout cas, sachez-le, il est 23h à Paris. Et donc, oui, reprise des Allées Café, ça veut dire que tous les lundis soirs, on est ensemble à 23h. Et puis, parfois, je vais faire des petites impros. Quand j'ai envie de démonter une équipe, comme par exemple les Pistons, ou qu'il faut parler d'un sujet d'actualité. En actualité, justement, on a repris un petit peu le rythme avec Alexinator et Léonce. Léonce à la prod, Alex dans les poufs avec Bibi. On a parlé de Monsieur Zach Lavin. Je vous préchauffe un petit peu là dans le chat. On a fait un apéro, Zach Lavin. Là, ceux qui sont là. Zach Lavin, ça finit où cette affaire là? J'ai posé la question à Alex à un moment pendant l'émission sur YouTube. J'ai dit, est-ce qu'à Noël, il est encore là? Est-ce qu'il n'est pas encore là? Comment ça se passe? Lakers, Orlando, Miami. Vous l'envoyez où, vous, Monsieur Zach Lavin? Parce que c'est ça aussi la grosse question. Enfin, la grosse question, c'est plutôt le clubisme. Mais on me dit les Raptors aux Spurs. Ah, pitié, hors de question. C'est une reconstruction, pas un démolissage. Ce serait sympa de nous laisser tranquille. Orlando, les gens sont chauds. OKC contre Bertans. Eh oui, et puis Madaron sur la commode aussi. Charlotte, pourquoi pas. Toronto revient pas mal. Les Lakers. Mais à quel prix? Ça va être ça la discussion. Est-ce que tu intègres Rui Hachimura, Torian Prince? Est-ce que tu mets D'Angelo Russell? Sachant que ça se passe plutôt bien pour nos amis les Lakers,
On pourra en discuter. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo. On a lâché pas mal de petites bêtises avec Alex là sur la chaîne. Là, on est mercredi soir. Il y a déjà eu une émission du lundi midi sur le clubisme. Le soir, il y avait un replay d'Aller Café. Le mardi soir, il y avait un apéro spécial Thunder. Là, il y avait Zach Lavine ce midi. Et ce soir, il y a un Aller Café. C'est le Brésil, là. Je suis désolé. En tout cas, c'est pas les Pistons, comme on dit. Retour sur les matchs d'hier soir. Est-ce que vous avez regardé les rencontres qui ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi? Quelques sympathiques petits résultats. Mesdames, y a-t-il des fans d'Orlando dans le chat? Ou même des gens qui regardent cette vidéo en replay et qui sont fans d'Orlando? Mesdames et messieurs, le Orlando Magic. Le Magic d'Orlando. Clément, Hugo, comment ça se passe? Encore une victoire masterclass d'Orlando qui enfonce Toronto dans ses galères. Montagne russe hein, de Toronto, on en reparlera plus tard dans la saison. Mais Orlando, très très bien. Formidable le travail de M. Mosley et de ses joueurs. Alors qu'il n'y a pas Wendell Carter, alors qu'il n'y a pas Markel Fultz, ça continue à dérouler. Ils ont battu nos amis de Toronto 126 à 107. Match encore très très complet de Paolo Banchero. Bien suivi par les efforts de Jalen Suggs. Bien suivi par le reste du banc. Ça, c'est tout à fait sympathique. Nous avons eu un match extrêmement défensif entre Atlanta et Indiana. Est-ce qu'il y en a qui étaient debout avec moi, notamment hier, sous les coups de quoi? Il devait être 3h du matin, 3h30. Indiana-Atlanta, c'était n'importe quoi. Mais n'importe quoi. 157-152. Incroyable rencontre, la dinguerie. C'était grave drôle, tout à fait. À la fois des gros errements défensifs, hein, je ne vais pas vous apprendre le basketball, mais aussi une qualité de shoot rentré. Ah, franchement, c'était n'importe quoi. J'ai essayé de vous foutre les stats sous les yeux. C'était complètement zinzin avec Tyrese Haliburton qui a chauffé dans le troisième quart-temps. Il finit à 37 points et 16 passes à 9 sur 15 à 3 points. Non mais pardon, Buddy Hield à 6 sur 6. Indiana a shooté à 22 sur 45 à 3 points. Excusez-moi. Non mais c'est complètement abusé quand même comme pourcentage. 22 sur 45. N'importe quoi. N'importe quoi. 22 sur 45. Complètement en feu, nos amis de Indiana, qui ont bien profité des oublis défensifs de Atlanta, mais qui ont aussi rentré des gros tirs. Alors qu'en face, il y avait quand même des Dejounte Murray et Trae Young qui étaient chauds eux aussi. Je veux dire, Trae Young est à 13 sur 17 au tir, pardon. C'était n'importe quoi. 15 sur 31. Les deux équipes sont à 48% à 3 points en prenant des volumes de fou malade. Bref. Indiana-Atlanta, victoire des Pacers, qui donc avancent dans le fameux In-Season Tournament qui passionne les gens. Non ! Bon, c'est ça, tout à fait sympathique, mais on aime bien la couleur des parquets, quoi. Belle victoire d'Indiana. Quelques errements défensifs aussi côté Pacers, donc difficile de jauger cette équipe qui nous... Parfois, nous fait grave kiffer, puis parfois, on se dit genre, mais merde, les gars, faut défendre un minimum, c'est pas possible. Donc bref, on verra ce que ça va donner dans les autres petits résultats de la nuit. Magnifique victoire des Cavs. Y a-t-il des fans très conférencés là pour commencer hein. Y a-t-il des fans des Cavs dans le chat ou des gens qui nous regardent en replay? Les Cavs. Les Cavs Denver, pas de problème. Les Cavs Philadelphie, pas de problème. Pas de problème. Bravo. Félicitations aux fans des Cavs. Enfin bravo, vous avez rien fait. Vous étiez devant, c'était formidable comme moi. Vous êtes en slip dans votre canapé comme on dit. Mais bon, victoire à Philadelphie, c'est formidable. Victoire en prolongation. Gros chantier de Jarrett Allen, magnifique travail de Evan Mobley, de toute la clique, de Darius Garland, impeccable offensivement. On a eu du très très bon boulot de la part de plusieurs joueurs, hein. Dean Wade aussi qui a été envoyé en mission défensive sur du Tyrese Maxey. On a eu des très bonnes séquences défensives sur Joel Embiid qui certes met 32 points mais à 9 sur 21 au tir, donc il n'était pas non plus complètement à l'aise. On a eu, comme je le disais là, la doublette Allen-Mobley impeccable. Max Truss qui met ses 20 points. Le travail de Craig Porter Jr. en sortie de banc. On va continuer à en parler de ce gamin parce qu'il régale vraiment en second unit malgré les absences de Donovan Mitchell, de Caris LeVert et d'Isaac Okoro. Très très bien les Cavs, bravo. On retrouve certaines bases et comme je l'ai dit en pleine nuit, parfois on crache même souvent sur Jimmy Bickerstaff. Il faut aussi lui rendre un peu hommage quand c'est du bon boulot. Donc bravo à Jean-Baptiste. Dans les autres résultats, les soirées s'enchaînent et les résultats ne bougent pas. Portland, ça pue le caca. Défaite des Blazers malgré la bonne nouvelle d'un retour... sous très peu de temps de Scoot Anderson, et on surveillera évidemment le dossier Anthony Simons, mais sa paire contre Phoenix, les retrouvailles de DeAndre Ayton avec son ancienne franchise, Devin Booker qui je trouve a eu une assez belle déclaration en sortie de match, qui a dit oui je suis content quand il est motivé DeAndre Ayton, maintenant ce serait bien de faire ça tous les soirs, bonne continuation, enjoy la défaite mon frérot.
Donc, petite caresse de Devin Booker pour son ancien pivot. Hein. On s'en souvient, on comparait Booker et Ayton à Shaq et Kobe. Je pense que non, hein, finalement. Voilà, on va se calmer sur les comparaisons. D'ailleurs, bon, pareil, on fera des comparaisons avec les Pistons, ça va venir. Et enfin, pour finir, les Lakers qui sont dans le coin. J'espère qu'il y a des fans des Lakers aussi qui sont dans le coin. On peut toujours compter sur les fans des Lakers dans les lives. Des lives de foot, il y a des fans des Lakers. Des lives de tennis, il y a des fans des Lakers. Ils sont là, regardez, ils vont débarquer dans le chat dans 2 secondes. Est-ce qu'il y a des fans des Lakers? 39 000 points de LeBron en carrière. Oui, Lake Show, ils sont là. 39 000 points en carrière pour le King. LeBron James, premier joueur de l'histoire de la NBA à dépasser la barre des 39 000 points. C'est le plus jeune joueur de l'histoire à 1000, 2000, 3000, 4000. Vous continuez comme ça jusqu'à 39 000 points. Ça déroule totalement. Gros, gros boulot encore de LeBron qui est dans une forme incroyable. Ne pas prendre LeBron James pour acquis. C'est un honneur de le regarder jouer. On a eu des bonnes perfs aussi de la part d'Anthony Davis et de tous les garçons. Utah, on met ça de côté. Pareil, Utah, on en reparlera quand ce sera un peu du basket sérieux. Parce que là, pour le moment, c'est complicado hein, pour les amis du Jazz. Très intéressant la saison dernière, mais là, un peu plus compliqué. Il est 23h12. Est-ce que vous aimez la violence? Je vais devoir couper le son. Alors, vous êtes venus pour de la violence, je le sais. Voilà. Il y a des gens qui sont venus, voilà, agra, hashtag agra. Les gens sont venus pour la démolition des Pistons. Alors, je vais remettre la musique, mais j'étais obligé de couper le son. Pourquoi ? Parce que nous allons rentrer dans une zone très très violente. Je tiens à être très clair et précis. Vous pouvez venir, fans des Pistons, me chercher par le col, que ce soit en live là ou en replay sur YouTube. Je vais assumer l'intégralité de mes propos. Mais alors franchement, je ne vais pas balancer des conneries sans la moindre recherche. Ça fait des heures et des jours que j'ai essayé de bâtir justement un début de dossier pour créer la conversation basée sur la question suivante que j'ai envoyée de manière un petit peu violente sur les réseaux. Est-ce que les Detroit Pistons sont la pire franchise des 15 dernières saisons en NBA? On va en débattre. C'est parti donc en musique. Oui, la question se pose, messieurs, dames. Je sais que ça peut être bizarre à assumer. Mais au moment où nous parlons, nos amis de Détroit sont donc sur 12 défaites consécutives. Je vous montre le beau tableau. Detroit, ça cartonne dès le début de saison. 12 défaites de suite avec donc cette dernière défaite contre Denver. Je rappelle le contexte, Denver, pas de Jamal Murray, Nikola Jokic qui se fait expulser, Mike Malone qui se fait expulser. Bref, t'as le coach et les deux meilleurs joueurs qui ne sont pas là. D'ailleurs, ils s'encarrent, ils se disent on a quand même une chance de gagner. Eh bien, ça ne va pas louper puisque les Pistons vont s'incliner face à nos amis de Denver à domicile. Rattrapage fait par quelques vétérans et d'autres garçons bien gérés. Voilà, désolé pour nos amis les Pistons. 12 défaites de suite. Alors, on a commencé la saison depuis un mois, il y a déjà une série de 12 défaites pour les Pistons. Bon, ça c'est une chose, tout va bien. Je vais balancer tout un tas de statistiques et de éléments factuels pour vous donner des éléments afin de répondre à la question est-ce que les Pistons sont la pire franchise de ces 15 dernières saisons? Je sais que c'est très provocateur, mais on va prendre le temps. On va prendre le temps. Première chose, le saviez-vous? Certes, là, on est sur 12 défaites consécutives, mais le saviez-vous, nos amis les Pistons, si on revient sur la saison dernière depuis le mois de février, regardez, on est sur le mois de février, les Pistons ont remporté 2 matchs ici, hein, le 14 mars et le 8 avril, mais depuis la mi-février, nos amis les Pistons ont une série de 11 défaites, une autre série de 11 défaites et une série de 12 défaites. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une fin de saison et le début d'une nouvelle, ils ont déjà eu 3 séries de minimum 10 défaites consécutives. D'accord ? Je tiens à poser les bases tout de suite, très très vite. On est sur une équipe qui adore enchaîner les défaites et les défaites bien crades. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour continuer dans les statistiques, et notamment dans le factuel, pouvez-vous me citer l'équipe qui a perdu le plus de matchs en NBA depuis 2010 ? Depuis 2010, il y a beaucoup de franchises qui ont été très mauvaises, Sacramento, Orlando... Minnesota, c'était pas très très bien. Les Hornets aussi, qui n'ont pas été très très bons. Donc depuis 2010, c'est un point à peu près facile à prendre en tête. 2010, vous vous dites, bon bah voilà, c'est le début d'une nouvelle décennie. Et puis après, on arrive finalement en 2023, bientôt 24. Donc ça fait quasiment une quinzaine d'années, c'est pour ça que je parle de 15 ans. Depuis 2010, les Detroit Pistons. Les Pistons ont 706 défaites depuis 2009-2010. Je sais que ça va en surprendre plus d'un, mais c'est bien notre franchise
qui est là, celle de Détroit. Regardez ce petit tableau, les Pistons sont numéro 1, les Kings, dont on n'arrête pas de se foutre de la gueule, ne sont pas plus mauvais que les Pistons, notamment par ce qui s'est passé ces deux dernières saisons, hein, et notamment enfin la précédente, plus celle qui est en cours. Sacramento, ça va bien là. Ils viennent de faire une saison à plus de 45 victoires, c'est la folie furieuse. Du côté de Détroit, regardez ce que ça donne. Vous pouvez mettre Minnesota, Orlando, même les Nets qui ont été cracra, même les Hornets, regardez, même les Knicks qui étaient pas bons, même les Kings, vous allez reculer jusqu'aux Pistons. 706 défaites, c'est la franchise numéro 1 de toute la NBA en défaites. Depuis 2010. Alors après, il y a eu d'autres petites zones sympathiques. 2014, 2015, on va y revenir, André Drummond, Reggie Jackson, etc. J'ai envie de jouer. Depuis 2016, quelle est l'équipe qui a le plus de défaites en NBA ? Les Pistons. Et là, regardez, ça se joue à 3 fois rien. Il y a le Orlando Magic qui est là. 401. Mais vous voulez qu'on rigole ? Il n'y a pas de problème, regardez. Je vais enlever 2016. Je vais mettre 2017. Les Pistons. Regardez bien le chiffre qui est là, s'il vous plaît, sur la gauche. 364 défaites. Le deuxième, c'est Orlando avec 354. On va passer à 2018. 319 défaites pour Détroit, 301 pour Orlando. Et enfin, le meilleur pour la fin. Depuis 2019, je vais même me concentrer pour lire cette phrase, attention, ça va faire très très mal. Depuis 2019, messieurs dames, les Pistons sont l'équipe qui ont le plus de défaites de toute la NBA. Et j'aimerais que vous regardiez l'écart ici. Regardez-moi la taille de ce scandale. Les Pistons sont tellement à chier qu'il y a 30 défaites d'écart entre la pire et la deuxième depuis bientôt 5 ans. 30 victoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 30 victoires, c'est une saison des Wizards. D'accord ? C'est une saison random des Wizards. Ok, ça c'était cadeau, c'est gratuit. Mais juste, soyons clairs, les Pistons, depuis donc 2019, c'est l'équipe qui a le plus de défaites. Et ça ne se joue pas à une ou deux défaites. Il y a 30 défaites d'écart. D'accord ? Il y a 30 défaites d'écart. La deuxième, c'est Orlando. Ensuite, on a Washington qui fait évidemment de la merde. 240, 240. Et regardez là, ces équipes, elles sont dans un mouchoir de poche. 244, 240, 240, 234, 232, 231. Tout ça, c'est un petit truc. Regardez-moi la taille de cette courbe. Regardez la hauteur de ce HLM. 276. Non, Détroit, c'est too much. Détroit, c'est too much. Donc déjà, petit point historique. Comme je viens de vous le montrer, vous pouvez partir de 2009-2010. Et ensuite basculer sur 2019-2018, c'est l'équipe qui a le plus de défaites de toute la NBA. Et donc ça s'explique pourquoi, parce que on avait Sacramento qui était le leader public de toutes les punchlines. Mauvaise situation à l'intérieur de la franchise, dysfonctionnement, plein d'entraîneurs différents, management, des punchlines dans les réseaux sociaux, patata, les Kings c'était le punching bag de tout le monde. Sauf que là, Sacramento, ils viennent de nous faire Light the Beam, là. Les fans de Détroit, excusez-moi, je vais parler en votre nom. Vous rêvez d'avoir ce qui s'est passé l'année dernière à Sacramento, avec Light the Beam. Ça rêve d'avoir un joueur comme De'Aaron Fox. C'est juste factuel. Tout ce qui s'est passé de Light the Beam, de toute la NBA, la fanbase qui est derrière, parce que c'est le retour de ce côté respectable. Vous voulez qu'on prenne les franchises les plus terribles de ces 15 dernières années ? Très bien. On va parler de playoffs. Mesdames et messieurs, les Kings, lorsqu'ils ont été donc gentiment en playoffs la saison dernière, ils ont remporté un match. On est d'accord ? Moi, je vais continuer, j'ai choisi la violence. Les Kings ont remporté un match de playoffs la saison dernière. Face aux Warriors, ils sont même allés en 7. Vous m'avez sorti parmi les pires franchises qui existent. Minnesota, ils sont allés en playoffs. Ils ont gagné un match, n'est-ce pas ? Très bien. Les Hornets de Nicolas Batum et de Kemba Walker, ils ont remporté un match, n'est-ce pas ? C'était face au Heat, c'est une série qui a duré assez longtemps. Prenez qui ? Orlando ? Orlando de Nicolas Vucevic et Evan Fournier avec DJ Augustine à Toronto, l'année où Kawhi Leonard gagne le titre avec les Raptors. Game 1, ça gagne ? Je vais couper le son. Mesdames et messieurs, vous savez c'est quand la dernière victoire en playoff des Pistons ? Vous savez quand c'est la dernière victoire en playoff des Detroit Pistons ? La victoire ?
Le 26 mai 2008. Le 26 mai 2008. C'est la dernière victoire des Pistons. Ça fait 15 ans que Détroit n'a pas remporté. Je parle pas d'aller en playoff. Je parle de remporter un match de playoff. Trois fois, ils sont allés en playoff, les Pistons. Une fois, c'était en 2009. Ils se sont fait sweeper au premier tour par LeBron. Attention, il y a un running gag. 2016, ils sont retournés en playoff. Premier tour, tu t'es fait sweeper par LeBron et les Cavs. 2019, ils sont retournés en playoff. Ils se sont fait sweeper par Giannis et les Bucks. Les 12 derniers matchs des Pistons en playoff, 12 matchs, 12 défaites. C'est injouable. Vous voulez savoir à quel point c'est ancien, la dernière victoire des Pistons en playoff? Je vais juste vous montrer le box score. Il y a des gens qui sont devenus fans des Celtics depuis cette équipe. Souvenez-vous, c'est l'équipe de Anything is Possible, avec Kevin Garnett qui va remporter le titre. 26 mai 2008, les Pistons gagnent 94-75. Regardez-moi la tête de 5 majeurs. Ray Allen, Rajon Rondo, Kendrick Perkins, Kevin Garnett, Paul Pierce. En face, on a quoi? En face, Tayshaun Prince, Antonio McDice, Rip Hamilton, Sean Sebillops, Rashid Wallace. C'est il y a tellement longtemps, Sean Sebillops, aujourd'hui, c'est un coach. Aujourd'hui, il est coach. De quoi on parle? Kendrick Perkins, aujourd'hui, il est analyste TV. Là, il était pivot titulaire. La dernière fois que les Pistons... Attends, je suis désolé, je suis obligé de couper le son. Parce que ça, là, je l'ai noté, là, je me suis dit, c'est quoi, c'est parti. La dernière fois que les Pistons, ils ont remporté un match de playoff, messieurs, dames, Usain Bolt, il avait zéro palmarès aux Jeux Olympiques. Usain Bolt, la dernière fois que les Pistons ils ont remporté un match de playoff, Usain Bolt, il avait zéro médaille. J'invente pas, il avait zéro médaille. J'en ai noté d'autres comme ça. Uber, ça n'existait même pas. Tu voulais un taxi, tu levais la main. Spotify avait 1 an. Twitter avait 2 ans. Apple a sorti l'iPhone 3. L'iPhone 3 ! C'est pas sérieux. Je suis désolé, c'est pas sérieux. Je suis désolé, franchement, c'est pas sérieux. Et je fais que commencer. Je préviens, ça va chicaner. C'est pas possible. Usain Bolt, il était connu de certains, sinon inconnu au bataillon. Il fallait attendre 2 mois après, il allait à Pékin, il allait rouler sur tout le monde. C'est la dernière victoire des Pistons en playoff. La dernière. Franchement, c'est trop chaud. C'est la dernière, c'est trop chaud. Alors là, oui, on vient de les voir jouer contre Denver, on en reviendra sur ce match. Mais bon, bref, déjà de base, je continue mon petit truc. De base aussi, je voulais faire une parenthèse. Ce qui est terrible, c'est que c'est une franchise qui est historique. Les Bad Boys dans les années 80. Tout ce qu'ils ont instauré. Certains ne le savent pas, ils vont le découvrir dans ce live ou dans ce replay. Vous savez que c'est les Pistons qui ont notamment instauré d'avoir des avions privés pour les joueurs. C'est eux qui ont instauré cet aspect 4 étoiles pour les joueurs pour être dans des conditions parfaites. Ils ont changé tellement de choses, ils ont eu un impact tel, les Pistons, des années 80 dans l'histoire de la NBA. Les Pistons ensuite des années 2000. Tous les ans, c'était tarif. Finale de conférence, finale de conférence, finale de conférence, finale de conférence. Ben Wallace, Rashid Wallace, Larry Brown au coaching. Ensuite, on a eu du Flip Saunders, Sean Sebillops, Tayshaun Prince, Rip Hamilton. 3-4 All-Stars, tous les ans. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est une franchise qui est historique. Historique. Il n'y a rien à redire là-dessus. Le problème, c'est que depuis 15 ans, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Alors oui, il y a eu 2-3 petits moments, on va y revenir. Mais de ce que j'ai récapitulé, c'est de la merde. Beaucoup d'enthousiasme sur Oscar Thompson, Kate Cunningham, Jalen Duren, Marcus Sasser, etc. On va en reparler après. Je continue le tableau. On a donc dit que le 26 mai 2008, il y a ta dernière win en playoff. Je remontre donc la date, puisque ça fait très plaisir aux yeux. Elle est juste ici. 26 mai 2008, dernière victoire en playoff. Depuis 12 matchs, 12 défaites. Le plus haut total de victoires des Pistons sur une saison depuis 2008, c'est 44 victoires. 44 victoires, c'était justement la saison 2016, donc ça c'est le plafond, 44 victoires sur une saison. Donc les Kings ça a fait mieux, les Hornets, tout ce que vous voulez, là Orlando, patati patata, tout ça, ça a fait mieux. 44 victoires c'est le plafond des Pistons sur une saison régulière. C'était les Pistons de Stan Van Gundy, Build the Fucking Wall, et donc c'était trop bien, on avait Greg Monroe, tous les gars, ça jouait des muscles pour essayer de s'en sortir. Ok. Mais ton plafond c'est 44 wins. Et tu as délaissé le Palace d'Auburn Hills, en 2017 si je dis pas de bêtises, mais qui quelque part est un des points positifs, et on va en reparler au niveau management, puisque pour celles et ceux qui ne connaissent pas notamment la géographie et l'aspect géographique des États-Unis et du Michigan, le Palace d'Auburn Hills était loin, je dirais à une 50aine de kilomètres je crois de Détroit, et donc
le travail qui a été fait par le management et notamment les propriétaires, Tom Gors, on va en reparler, et la famille Tellem, ça a été de rappeler et de rapporter les Pistons downtown, dans Détroit. Puisque le palace d'Auburn Hills, bah, c'était pas Détroit, c'est dans un autre bled, 50 bornes de là. Alors que là, avec la Little Caesars Arena, hein, un nom que tout le monde respecte, désolé mais ça me saoule. Ça m'a saoulé, notamment ce déménagement, c'est normal parce que c'était bien de les rapporter downtown, mais pour le moment, il y a zéro respect. Et donc, j'ai commencé à regarder et je me suis dit, tiens, on va faire une émission complète parce que là, je me marre, c'est les débuts, mais on va faire la draft, hein ? Puisqu'on aime le sang, j'ai récapitulé la draft des Pistons depuis 2010. Ah ouais, moi j'ai décidé, là, il n'y a plus aucune pitié. J'ai donc été regarder la draft des Pistons depuis 2010 et je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé. On va se permettre. Comme ça, après, on va faire un bilan et on va voir s'il y a pire franchise. On va faire quelques petits noms. Des petits noms à droite à gauche et on va voir ce que vous en pensez. Tout à fait, moi, vous savez, j'aime bien WordPad, j'aime bien Paint, ça va être de la violence. Depuis 2010, j'ai pris évidemment des noms notables donc dans le top 20 de la draft, mais après on va parler aussi de petites pépites qui ont été en deuxième tour et parfois qui ont été laissées passer. Je vois que certains le mentionnent dans le chat avec hashtag Chris Middleton. Je suis pas malveillant, je suis factuel. La draft des Pistons depuis 2010. Greg Monroe, 7e. Brandon Knight, 8e. Andre Drummond, 9e de sa draft. Kentavious Caldwell-Pope, 8e. Stanley Johnson, 8e. Henry Ellenson, 18e. Luke Kennard, 12e. Sekou Doumbouya, 15e. Killian Hayes, 7e. Kate Cunningham, 1er. Jaden Ivey, 5e. Jalen Duren, 13e. Et donc, Oscar Thompson, 5e. Comme vous pouvez le voir, là, c'est récent. C'est ce que vous pouvez voir notamment quand vous observez les Pistons jouer. Mais on va faire la totale. Parce que moi, j'ai décidé de faire la totale et de vous donner tous les éléments. Je me suis dit, tu sais quoi ? On va faire un petit décortiquage de ce qui s'est passé autour de ces joueurs. Donc, des choix de draft au travers de différents managements. En vrai, ça va. En vrai, si on regarde les noms, on peut se dire « Oui, ça va quand même en termes de naming, c'est ok, c'est plutôt potable. » Maintenant, j'aimerais rentrer dans les détails et voir comment chacun a été géré. On va se permettre, j'ai mis de côté Greg Monroe et Andre Drummond. Pour deux raisons simples, c'est que Andre Drummond et Greg Monroe, c'est des joueurs qui ont grave géré dans leur QV de draft. Et vous allez comprendre pourquoi, notamment parce qu'Andre Drummond, on peut dire ce qu'on veut, il y a plus de 10 000 points, 10 000 rebonds en carrière, un des meilleurs rebondeurs de l'ère moderne et même de tous les temps. Et un gars que les fans des Pistons ont kiffé et que moi je comprends. Greg Monroe, c'est un gars, il est arrivé, dans sa draft, il a cartonné, 5 premières saisons de ouf avec les Pistons. On va voir comment ça s'est fini, mais pour ces deux garçons, qui sont deux des mecs les plus potables, hein, Greg Monroe et Andre Drummond, est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est terminé avec Andre Drummond ? Andre Drummond, il a été transféré par les Pistons contre Brandon Knight, qui avait été récupéré donc par la suite, mais il avait été drafté au début par les Pistons, John Henson, et un second tour de draft. Donc, peu ou prou, on peut débattre de Blake Griffin quand il était là, et on va en reparler de Blake Griffin, parce qu'il a fait une saison extraordinaire avec les Pistons. On peut parler de Reggie Jackson, on peut parler de plein de joueurs, mais le joueur qui a été le meilleur, le plus régulier et le plus présent de tes 15 dernières années, tu l'as échangé contre un second tour de draft. Ça, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est factuel, encore une fois, c'est pas de la malveillance, c'est juste factuel. Andre Drummond, on peut remettre tous les contextes nécessaires et possibles, vous faites ce que vous voulez. Il y a eu en effet du Tobias Harris, on va reparler d'autres joueurs, mais Andre Drummond, lorsqu'il a été là, il a été lâché, ça s'est terminé en autre boudin. Greg Monroe, ça a été pareil, Greg Monroe, il avait bien démarré, il y a eu malentente, et ensuite il a signé chez les Bucks. Donc ça, c'est les deux. Maintenant, j'aimerais faire du dossier par dossier. Puisqu'on était en train de parler de certains, je vous remets la draft step by step des Pistons. Brandon Knight, 8e, là-dessus pas trop de problème. Il a fait des bons débuts, c'était pas mal. Et puis après, on s'est rappelé que en fait, son plus gros highlight, c'était de se faire dunker sur la gueule par DeAndre Jordan. Brandon Knight, il est en NBA encore ou pas ? Brandon Knight, il est pas en NBA, hein, ça fait plus de 10 ans. Et il y a un garçon qui a été drafté juste derrière Brandon Knight. Je vous le donne en 100 et en 1000, il joue au même poste. Il s'appelle Kemba Walker. Alors, on peut toujours refaire les drafts. C'est toujours comme ça. On se dit, oui, mais à l'époque, nanani, patati patata. Il s'avère juste que vous savez le faire comme moi. Lorsqu'on fait des redrafts, on regarde au poste pour poste et on regarde ce qui s'est passé. Brandon Knight, tout en haut de son CV, il y a « Je me suis fait postériser la gueule par DeAndre Jordan ».
Kemba Walker, c'est le meilleur scoreur de l'histoire des Hornets. On peut se foutre de la gueule des Hornets autant qu'on veut. Kemba Walker, c'est un multiple star, il n'y a pas de problème. Voilà. Déjà, ça pareil, c'est factuel. Donc, je ne dis pas que c'était un incroyable style, mais juste, ça, il faut le dire. Chris Middleton, draft 2012, allons voir. Draft 2012, bien joué les Pistons. Allons voir ce que ça a donné. On descend tout en bas. Quel joli coup de la barre de nos amis des Pistons. Il est où Chris Middleton? Il est là. Bien joué. Qu'est-ce qui se passe avec Chris Middleton? Une saison. Une saison avec Détroit. Quelle est l'autre franchise avec laquelle a joué Chris Middleton? Sinon, hormis Détroit. Bah c'est les Bucks. Multiple All-Star, champion NBA. Bras droit d'un des meilleurs ailiers forts de tous les temps. Pour aller chercher le titre avec Milwaukee, pardon. Il va avoir son maillot retiré avec les Bucks, de quoi on parle? Une saison, et il a été dans un transfert contre Monsieur Brennan Jennings, on en reparlera. Et donc ça déjà, c'est, t'as fait un bon choix, tu l'as même pas gardé, Chris Middleton. On peut remettre encore une fois tous les contextes, c'est des gars, il y a des blogs américains par dizaines où les mecs parlent de Chris Middleton, quel coup incroyable de la part des Bucks, parce que derrière Brennan Jennings aujourd'hui, il est plus en NBA, il fait des podcasts, et malheureusement pendant ce temps-là, Chris Middleton, il a la bagouze, et il a été plusieurs fois All-Star. Donc ça pareil, c'est cadeau. Deux autres joueurs qui ont été draftés, je vous les remets sous les yeux, c'est messieurs Kentavious Caldwell-Pope et Spencer Dinwiddie. Alors Kentavious Caldwell-Pope et Spencer Dinwiddie, ce sont deux garçons qui ont été notamment draftés, je crois, en tout cas les débuts ont été réalisés chez les Pistons. Donc Kentavious Caldwell-Pope, pas de problème. Kentavious Caldwell-Pope, pas de problème. Longue carrière, formidable, champion avec les Nuggets, champion avec les Lakers, bien joué. Pas conservé, c'est comme ça. Spencer Dinwiddie, des débuts un petit peu timides, pas conservé. Alors ça va pas être un multiple All-Star, hein, mais il a bien contribué dans plusieurs franchises, que ce soit les Nets notamment et les Mavs. Donc l'idée c'est pas de dire qu'ils avaient mal drafté, c'est juste que lorsque Détroit parfois a eu des joueurs de talent, ils ne se sont pas assez accrochés. Et ça c'est quelque chose qui va souvent revenir. Parce que ça c'est donc concernant juste Kentavious Caldwell-Pope et Spencer Dinwiddie. Stanley Johnson, 8e de sa draft. Stanley Johnson, jusqu'à preuve du contraire, il est out of the league. Stanley Johnson, c'est quel draft? Je vais revenir dessus, excusez-moi, je crois que c'est 2015, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas trop de conneries, ça doit être la draft 2015, je vais vous la remettre sous les yeux, parce qu'elle fait mal aussi aux yeux. Attention, hop là, je descends. Stanley Johnson, juste ici. Il est là, Stanley Johnson. Il est juste ici en 8e, et donc, malheureusement, il n'est plus en NBA, Stanley Johnson, on l'a vu un petit peu là récemment, c'était pas mal, il avait fait des piges avec les Raptors, avec les Lakers, ce qui était assez encourageante. Malheureusement, il n'a plus sa place, donc un petit peu compliqué. Et c'est vrai que derrière, il y a des garçons tout à fait sympathiques. Bon, après, c'est comme ça, on peut toujours refaire les drafts. Hein. Est-ce qu'il y a des mecs, regardez, je fais juste par match joué, par exemple, en NBA, hop, Stanley Johnson, ça recule. Kevin Looney, c'est derrière, Larry Nance, c'est derrière, Pat Connaughton, c'est derrière, Norman Powell, Miles Turner, bon, Trezor Harrell, on s'en fout, Trey Lyles. Tout ça, après, c'est magnifique, ça, c'est des coups, faut pas non plus en vouloir aux Pistons. Mais bon, il s'avère que les choix n'ont pas non plus été incroyables. Ou que s'ils ont été faits, les joueurs n'ont pas été conservés. Pépite, on passe à la draft 2016. Est-ce que vous vous souvenez de Monsieur Henry Ellenson? Monsieur Henry Ellenson, il est ici, en 18e choix des Pistons. Bon profil, capable normalement d'être sniper, de faire le boulot. Stretch, normalement il va apporter 18e. Vous savez où il est aujourd'hui, Henry Ellenson? Il joue chez les Ibaraki Robots, en division 2 japonaise. Je ne rigole pas. Je rigole pas, j'ai fait mon travail de recherche jusqu'au bout. Il est en deuxième division japonaise, ok, d'accord? Alors, moi je suis là, je suis dans mon canapé, j'ai le droit de rigoler, je mets pas 4 jump shots de suite, ok, mais moi je fais mon travail. Et là, c'est de faire les recherches et de redire les choses. Aujourd'hui, Henry Ellenson, il joue en D2 japonaise, et je suis certain qu'il doit grave kiffer jouer chez les robots d'Ibaraki. Mais, je suis désolé, il est là, regardez là, il est là, Henry Ellenson. 18e shot draft. Ça, c'est beau, ça. Ça, je suis désolé, c'est trop beau. Petit dédicace, donc, pick 18 de la draft 2016 qui joue actuellement en D2 japonaise. Luke Kennard, c'était une belle pioche. Luke Kennard, c'était bien joué. Je vous remontre notamment ce que ça avait donné Luke Kennard draft 2017, si je dis pas de bêtises. Luke Kennard, on est là. Ouais, tout à fait. Luke Kennard, regardez,
Il est juste ici. Ah merde, putain, c'est juste devant Donovan Mitchell. C'est dommage. Luke Kennard, donc en 12e position. Ah merde, il y a. Ah, flûte, il y a Bam Adebayo derrière. Attends, je remonte. C'est quoi? C'est Bam Adebayo et Donovan Mitchell devant Luke Kennard. Ouais, mais il y avait Drummond déjà. Bon, enfin bref. Du coup, Luke Kennard, bon joueur, bon sniper, qu'on est en train de voir du côté de Memphis. Luke Kennard s'est bien développé et passé chez les Clippers, n'a pas été conservé. Bam, je suis d'accord, faut remettre le contexte. C'est pour ça que je l'ai dit. Bam, il y avait Drummond, il y a plein de situations dans la parfois où on refait la draft. Donc c'est pour ça que je vais pas dire qu'il aurait dû prendre tel mec. Mais lorsqu'il y a un gars sur un poste qui a été pris, genre Brandon Knight, et aujourd'hui tu vois ce qui s'est passé entre Brandon Knight et Kemba Walker, c'est comme ça. Surtout que, spoiler, on va y revenir dans quelques minutes avec la draft de Kylian Hayes. Vous n'êtes pas prêt au poste pour poste, malheureusement. Et c'est pas contre Kylian, on est ici pour parler des Pistons. D'accord ? Donc je continue. Luke Kennard, pas prolongé. Il y a un autre garçon qui a été pris dans cette draft. Voyons voir, est-ce qu'ils ont eu le nez fin ? J'ai l'impression que oui, ou alors c'est la draft 2018. Allez, on va aller en draft 2018 pour nos amis des Pistons. J'ai l'impression qu'ils ont fait un bon peu... Ah mais oui, c'est bien joué ça les Pistons. C'est qui ça là ? En 42e place ? Bruce Brown. C'est bon ça ? Ah si, mon cher Enzo. Si, on va se faire plaisir. Alors, d'ailleurs, bonsoir. Bruce Brown, magnifique. Magnifique Bruce Brown, des débuts extraordinaires. Cornerstone avec Christian Wood, ça va cartonner avec les Pistons. Bruce Brown, aujourd'hui, il est champion NBA. C'était un des gars fondamentaux dans la victoire des Nuggets. Encore une fois, Détroit, potentiel nez fin. Mais après, juste conserver, les gars. C'est pas possible. Bruce Brown... Pas prolongé, ça dégage. Aujourd'hui Bruce Brown, ça a été une des plus grosses signatures de l'été avec les Pacers. Donc désolé, c'est comme ça. Est-ce que nos amis les Pistons avaient un autre choix un peu plus haut sur cette draft? Je regarde. Non, ça allait. Probablement un pick qui a dû partir. Mais bon, ça va parce que tu avais du Marvin Bagley en deux. Aujourd'hui, tu l'as. Tu l'as récupéré, donc tu dois être content. Je suis désolé, c'est l'heure du quart d'heure qui fait pas plaisir. C'est l'heure du quart d'heure Cocorico. Messieurs, dames, draft 2019. Sekou. Alors je tiens à être très très précis, ce n'est pas contre Sekou Doumbouya, mais juste aujourd'hui, est-ce que je vous donne 10 minutes, est-ce que vous pouvez me dire dans quelle équipe joue Sekou Doumbouya ? Je lui souhaite de réussir. Je souhaite à n'importe quel joueur de réussir, à n'importe quel joueur français de réussir, quelle que soit sa ligue. On n'est pas là pour dire que si tu fais pas la NBA, ça veut dire que c'est pas une dinguerie. C'est réservé à l'élite la NBA, donc tout le monde ne peut pas y arriver. Moi en tout cas, en l'état, je vous laisse me le dire, mais je n'ai pas d'équipe pour Sekou Doumbouya, et qui je pense veut essayer de faire un retour NBA, et je lui souhaite. Sekou Doumbouya donc en 15e position de cette draft, n'est pas du tout chez les Pistons aujourd'hui. Je vais trier par... Vous voulez que je trie par point ou par match joué ou par minute? Je peux trier cette draft si vous voulez par point, par minute ou par match joué. D'ailleurs, Sekou Doumbouya, on en a parlé aujourd'hui dans un petit quiz qu'on a fait sur Instagram avec Alex. C'est le Français le plus jeune qui a mis 20 points dans un match NBA. Donc attention, respect. Je vais mettre par point. Alors, oula, il est où? Ok. Donc Sekou, il est là. Et devant, je suis désolé. On est à la lutte entre Bruno Fernando et Romeo Langford. Voilà. Je suis désolé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est en Grèce, Sekou. Formidable. J'ai vu un petit peu là sur les réseaux les workouts qu'il a balancés et tout. Mais bon. Encore une fois, je tiens à être très clair. Nous sommes là pour parler des Pistons. C'est pas forcément une question de Sekou ou de pas Sekou ou de concentration ou de pas concentration. On est en train de parler d'une franchise et d'un point sur lequel je vais venir qui est que certains agents ne veulent pas envoyer leurs joueurs là-bas parce que c'est un point de non-retour. Et donc, comme vous pouvez le voir au niveau de la draft, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça a été comme ça. Et donc, devant, bah, on a une palanquée de joueurs qui, en fait, bah voilà, hein, désolé, ont essayé de faire leur taf comme il faut. Il joue en D2 grec, Sekou, formidable. Bah, je lui souhaite d'avoir une bonne carrière et le plus de bonnes choses possibles. On va aller à la draft 2020 et je vais devoir faire pause. Parce que on est tous derrière Kylian Hayes, drafté en 7e position de cette draft. Je l'ai dit et redit, ce n'est pas contre les joueurs, mais lorsqu'on fait une draft, on fait du poste par poste. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me citer deux meneurs qui ont été draftés par les Pistons, qui n'ont pas été draftés par les Pistons, après Kylian Hayes, et qui ont indice le même prénom. Ils ont le même prénom.
il joue au même poste. Et les Pistons n'ont pas pris ce joueur. Merci le chat. Tyrese Haliburton et Tyrese Maxey. Est-ce que vous suivez la NBA depuis quelques semaines? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe avec Tyrese Maxey, avec Tyrese Haliburton? Ce n'est encore une fois pas contre Killian Hayes, qui s'est retrouvé dans une des franchises les plus dysfonctionnelles de ces dernières années, puisque ça fait 40 minutes que je l'explique. Donc non, c'est pas une question de contre Killian, puisque Killian, moi je veux essayer de le défendre, et justement il montre une vraie, un côté très téméraire et de s'accrocher malgré ses hauts et ses bas. Combien de fois on s'est foutu de la gueule des Sixers quand ils étaient dans leur process et qu'on disait c'est un point de non-retour? Combien de fois on s'est foutu de la gueule des Suns où je disais à Alex, un joueur quand il débarque à Phoenix, là quand c'était les airs de Eric Bledsoe, I don't wanna be here, les joueurs ils pétaient des câbles, les agents ils se disaient entre eux, non on n'envoie pas nos joueurs là-bas. Détroit c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas à chercher. On va parler après d'agent libre. Vous allez voir, l'émission, elle va durer 3h30. J'ai fait mon dossier, je continue, je déroule. Malheureusement pour Killian Hayes, moi, je lui souhaite de faire une super carrière et je pense que ça va être un gars qui va faire une longue carrière, qui a tout à prouver, qui a des skills et lectures défensives exceptionnelles, qui sait bien distribuer le jeu et qui bosse sur son scoring, qui va être bien utilisé peut-être dans un autre cadre et un autre effectif et où ça pourra aller. Et je pense qu'en meneur backup, il peut faire une longue carrière Killian Hayes, j'y crois. Et lorsque je disais lundi soir dans Aller Café que M. Vincent Collet parlait de vouloir l'amener en équipe de France, je lui souhaite ça à Killian. Donc c'est pas personnel. Encore une fois, je balance du factuel. Donc on a fait Brandon Knight, on a fait Chris Middleton, on a fait Kentavious et Spencer Dinwiddie, Stanley Johnson, Henry Ellenson, qui au moment où on parle joue en D2 japonaise. No joke, Luke Kennard, Bruce Brown, Sekou Doumbouya, Killian Hayes. Et aujourd'hui, on lui souhaite le meilleur, mais Jaden Ivey, qui a donc été récupéré, qui a fait une super saison rookie, ça fait 11 matchs, 14 matchs qu'on a joué, et son coach le met en 6e homme. D'accord ? Un top 5 de draft. Donc encore une fois, changement de coach, utilisation, comment ça va se passer? Tout ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on parle de franchise dysfonctionnelle, j'ai commencé étape A, comme une dissertation, par vous donner les résultats. Dernière victoire en playoff en 2008. Équipe qui a perdu le plus de matchs, là je vous remontre, excusez-moi, qui a perdu le plus de matchs depuis 2010. Depuis 2010, il y a des gens qui vont regarder ce replay, ils n'étaient même pas nés. D'accord? Ils ont 12 ans, ils se disent comment ça? Moi j'ai connu la NBA avec Stephen Curry, j'avais 5 ans. Désolé, personne n'a perdu autant de matchs que les Pistons. Pas les Hornets, pas le Magic, pas les Wolves, patati, pas les Kings, patata. Donc ça c'est une chose. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui est le meilleur marqueur des Pistons, petite question, depuis 2019? En total de points. Le meilleur marqueur des Pistons en total de points. Depuis la saison 2018-2019, qui est le meilleur marqueur des Pistons en total de points? Qui a mis le plus de points depuis 2018-2019? Il y en a un qui l'a dit là dans le chat. Donc, GG. Ah, il y en a deux. Il y en a trois. Allez, je vous spoil le truc. C'est Sadiq Bey. Sadiq Bey, messieurs, dames, il est où? Il est à Détroit? Il est où, Sadiq Bey? Il est où, Sadiq Bey? Il est où, Sadiq Bey? On a fait la trade deadline la saison dernière ensemble. Sadiq Bey, il n'est pas à Détroit. Il a été récupéré par Atlanta. On lui souhaite le meilleur. On souhaite le meilleur à Marvin Bagley. On va voir comment ça va se passer avec les trades qu'il y avait eu avec James Wiseman, etc. Mais Sadiq Bey, c'est le meilleur marqueur des Pistons depuis 2019. Alors peut-être que c'était un gars qui faisait des bêtes de stats dans une franchise médiocre. Mais il n'empêche que, pareil, il n'a pas été prolongé. Et lorsque vous regardez l'historique des rookies qui ont été prolongés, c'est un cauchemar. On n'arrête pas de se foutre de la gueule des Knicks. Ça, les Knicks, ils ont cassé leur curse, là. On devait remonter à Charlie Ward dans les années 90 pour faire ça. Ils n'avaient pas prolongé les Porzingis, les David Lee, tous les gars et tout. Et là, finalement, c'est bon. Ils ont prolongé RJ Barrett, ils ont prolongé Mitchell Robinson. Et donc, le curse est terminé. Détroit, là, ils sont en train de poser des bases. Eh, on va voir pour Kate Cunningham parce que, attention. Attention. Moi, je dis attention. Maintenant, je vais faire une petite bulle de positif. Parce que depuis tout à l'heure, je suis dans la violence et j'envoie toutes mes condoléances aux fans des Pistons. Notamment les gens qui font du bon travail. Depuis Valentin et tous les autres qui font du bon travail sur les Pistons depuis longtemps et qui ont dû se taper ces années de merde. T'es plein de motivation et tout, tu veux suivre cette franchise et tu tombes sur un niveau de dysfonction et d'irrégularité et de négatif qui est hors norme. C'est dur, c'est pas facile. Et donc au milieu de tout ça, on a quand même eu des temps forts. Souvenez-vous, Reggie Jackson et Andre Drummond.
on est ensemble, ça cartonne, let's go, ça se passe bien, on va essayer de bien jouer et aller en playoff. Bon, certes, tu te fais sweeper par les Cavs en 2016, mais au moins, ça se bat. On est chaud. Évidemment aussi, Loctin Enzo qui fait le taf aussi sur les Pistons et sur plein d'autres choses. Comment ne pas parler de monsieur Blake Griffin. Vous vous souvenez de la saison de Blake Griffin? La saison de Blake Griffin, où il est All-Star. Il est incroyable. Pour moi, il devrait être titulaire même du All-Star Game tellement il est fou furieux. Il a 25 points de moyenne, il met des step-back à 3 points, c'est le playmaker, il était ouf, avec les maillots dégueulasses gris là. J'ai même pas envie de parler des maillots parce que sinon je les envoie à la morgue. Après on va parler des commentateurs de toute façon, j'ai prévu de faire tout le monde, je me fais tout le monde là, je me fais tout le monde de Détroit. Bref, Blake Griffin, incroyable, il était trop trop fort. Pur, il avait été récupéré dans un bon transfert de la part des Pistons parce que c'était chaud avec les Clippers. Il avait dit ok, let's go, on va se relancer. Et il y avait des petites choses. Il y avait des petites choses. Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est terminé? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire en deux mots, et précisément deux mots, comment ça s'est terminé entre Blake Griffin et les Pistons? En deux mots. Six lettres. Deux mots, six lettres. Voilà, vous l'avez dans le chat. Un buyout. Alors oui, il y a eu des blessures. Et vous allez voir les Pistons, il y a la faute à pas de chance, hein. Il y en a plein. Mais Blake Griffin, All-Star, incroyable, ça a duré. Le rêve, il a duré un an. Après, c'était terminé. Alors oui, vous pouvez mettre genou avec gêne plus loin OUX. Il y a eu des soucis. Mais franchement, ça s'est terminé en buyout. Au revoir Blake Griffin. Après, il est allé à Brooklyn. Après, il est allé à Boston. Et ciao, bye. Merci pour les services rendus. Mais cette image, elle était incroyable. Donc oui, ça, c'était un moment positif. Où on a kiffé. Et comme je l'ai dit, le retour des Pistons dans Downtown Détroit, certes, nous, on s'en bat les reins parce qu'on n'habite pas à Détroit, mais pour les fans et pour les habitants de la ville, c'était important. Et on va parler après du management, etc. Donc ça, c'était bien. Dommage que ce soit fini en buyout. Autre image, pour les anciens qui avaient suivi les tout débuts même de Trash Talk, Form a Fucking Wall avec Stan Van Gundy. Qui ne se souvient pas de ça? De cette équipe, regardez-moi ça, avec Greg Monroe derrière, bien attentif, Build the Wall. C'était beau ça. Il y avait de la thug life, il y avait des montages de Stan Van Gundy sur des BMX avec en mode gang sign comme ça, c'était incroyable. Young KCP, bien sûr qu'il y a KCP qui est là sur la gauche, regardez-le comment il est beau, il est tout mignon, il sait pas encore que ça va être un mec fondamental dans la victoire de la bulle des Lakers en 2020 et ensuite dans le titre des Nuggets en 2023. Hein, il sait qu'une chose, c'est qu'il est à Détroit, frère. Donc, faut essayer de se faire la main un petit peu. Et c'est tout. Ça, c'était positif. Build the Wall avec Stan Van Gundy, c'était bien. Après, comment ça s'est fini avec Stan Van Gundy à Détroit, je vous laisserai regarder parce que là, moi, c'est bon. Là, j'ai envoyé trop de gens au cimetière, donc ça suffit. Dernier highlight. Des Pistons sur les 15 dernières années, t'as joué à Paris. Score final. Voilà, je vous laisse avec la Tour Eiffel. Du coup, je me suis bien reposé là. On va reprendre. Hein? On va reprendre parce que moi, j'ai pas fini là. Là, je préchauffe là, les Pistons. Je vous avais dit que j'ai taffé le dossier. Et après, on va voir. Installez-vous, mettez-vous peinard. On a fait les résultats et on a fait la draft. Ça, c'était le temps mort, exactement. Là, moi, je me régale là. Enfin, vous me dites, vous, comment ça se passe, hein? Mais moi, c'est bon, hein? Vous voulez que je continue ou pas? Y a moyen ou... On continue ou... Allez, ok, allez, ça continue. C'est très bien. Lorsque tu es une franchise et que tu galères, tu vas essayer de faire une bonne draft. Preuve étant, tu peux pas. Ou du moins, quand tu as des joueurs, ton management fait en sorte, salut Joe Dumars, que tu n'arrives pas à les conserver. Donc à ce moment-là, il va falloir se rattraper sur un marché qui s'appelle la Free Agency. Vous êtes prêts? C'est parti. Et Enzo, il le sait, et les fans des Pistons, là, ils le savent. Là, c'est le moment de s'accrocher fort. Là. Parce que là, la draft, là, c'était rigolo. Là, c'était une balade de printemps. Là, moi, j'arrive sur la Free Agency, les frères. 1, 2, 3, l'horreur. C'est parti. Josh Smith, 2013, signé 54 millions sur 4 ans. 54 millions sur 4 ans en 2013. Vous savez ce qui s'est passé avec Josh Smith? Il a été coupé au bout de 2 ans.
sur un contrat de 4 ans, il a été coupé au bout de 2 ans. Stan Van Gundy, il est arrivé, il a dit ça dégage, je veux rien savoir. Là, les jump shots, la main gauche, là, ça dégage. Merci, au revoir. Vous voulez savoir encore plus ? Vous voulez savoir encore plus c'est quoi qui est chaud avec Josh Smith ? Josh Smith, qui était incroyable à Atlanta, moi je le kiffais. Il a signé 54 millions sur 4 ans en 2013. Je vais couper la musique. Ils l'ont coupé en 2015. Les Pistons ont payé Josh Smith jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020 ! Ils l'ont payé de 2013 à 2020. Ils l'ont coupé et ils ont dû le payer tous les ans, comme as, 5 millions, jusqu'à ce que le contrat il se termine. Donc même quand le gars, il n'avait plus un seul orteil dans la franchise, ils ont continué à le payer. Vous pouvez aller vérifier, Josh Smith, il a été payé jusqu'en 2019-2020. Son contrat, il a été stretch. C'était normal, c'était une stratégie utilisée par les Pistons pour ne pas se prendre tout le contrat dans la gueule. Mais je m'en bats les reins, il y a encore 3 ans, Josh Smith, il a été payé par les Pistons. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Josh Smith, c'était incroyable. Payé 5 millions par an jusqu'en 2020, ça je l'ai noté. Brandon Jennings, récupéré, c'était du quasi sign and trade. Merci Chris Middleton, c'est Chris Middleton qui a envoyé en échange. Brandon Jennings, hyper prometteur. Les débuts, pas de problème. On voit comment ça peut se passer. Il est clutch, il met de la vibe. Ça va bien se passer avec André Drummond, etc. Début d'année 2015. Tendon d'Achille. Horrible. Là, c'est pas drôle. D'ailleurs, le reste n'est pas drôle non plus. Hein. C'est des blessures. Mais les pires franchises, c'est celles aussi qui ont la poisse. On s'est foutu de la gueule de Portland, on s'est foutu de la gueule de plein de franchises. Je suis désolé. Brandon Jennings, horrible. La faute a pas de chance. Ça se passe bien, t'as récupéré ton meneur contre Chris Middleton. Et là, c'est horrible, tu te tapes une blessure hardcore. Alors que Brandon Jennings, il était tellement incroyable à ses débuts à Milwaukee. Incroyable. Et il arrive là, il est shake and bake et tout à Détroit, il va injecter des bêtes de choses parce qu'on sent que c'est pas juste Brandon Knight qu'il faut sur le backcourt. Là, il faut du Brandon Jennings. Et ben là, désolé, tu peux même pas en profiter. T'en profites pendant quelques mois et après, c'est la fin de Brandon Jennings. Aujourd'hui, malheureusement, il fait des podcasts et on pense à lui parce que c'était un talent de fou furieux quand il arrivait, notamment à Milwaukee. Les 55 points de Brandon, exactement, c'est les émotions. Incroyable, le mec, il arrive, ça fait même pas 10 jours qu'on a NBA, il met 55 points. Imaginez là, c'est qui là de la draft là. Imaginez là, Brandon Miller, là, il met 55 points. Ou Scoot. Ou je sais pas qui de la draft, qui vous voulez là. Un mec, il débarque, il met 55 points là. Maintenant là. Là, Jarace Walker, là, 55 points ce soir, là. Non. Ensuite, les fans des Lakers, est-ce que vous vous souvenez de Jody Mix ? Jody Mix, carton avec les Lakers, gros sniper, dans les années horribles hein, des Lakers, hein. Mais gros sniper, etc. Grosse carotte à Détroit. Attention, le début d'un running gag, quand tu veux de l'argent, tu vas signer à Détroit. 20 millions sur 3 ans, il ne va plus rien faire. Aaron Baines, titre chez les Spurs en 2014. Il est bien, backup, on va faire le taf. Après Jody Mix, Aaron Baines. Il prend son plus gros contrat où ça ? À Détroit, il va rien faire et ensuite il va revivre à Phoenix. Boban Marjanovic, vous pouvez aller vérifier, je l'ai vérifié pour tous les joueurs que je vais vous citer. Ils gagnent leur plus gros salaire où ça ? Dans le Michigan, à Détroit, chez les Pistons. Boban Marjanovic, deuxième carotte de la part des Spurs. Allez-y, les Pistons, prenez-le, ça va vous faire un bête d'intérieur pour le turfu. Il prend son plus gros contrat, il va rien faire et ensuite, après avoir gagné son plus gros salaire à Détroit, il va faire sa life à côté. On va le voir après avec les Clippers, avec Tobias Harris, patati et patata. Langston Galloway, les anciennes qui s'en souviennent. Langston Galloway, magnifique. Avec les Knicks, très bien. Il va essayer de faire le taf. Il signe son plus gros salaire, ou ça, à Détroit. Et puis, bah, malheureusement, après, il n'y a plus rien, désolé. Ish Smith, formidable. Connu pour avoir fait toutes les franchises de NBA. Le mec, c'est le guide du routard humain. Il a fait tout. Son plus gros salaire, là où il s'est installé, où il a fait le plus de taf, à Détroit. Il a pris sa quicheta là-bas. Après, il a fait des tours à droite, à gauche. Le mec, il a des appartements un peu partout aux États-Unis. Il a fait sa petite pige à Détroit. Pas de problème. Ensuite, dans les visuels de qualité, fin des années 2000, c'est qui que Joe Dumars il va signer à gros paquet pour essayer justement de faire quelque chose de beau au début des années 2010? Ben Gordon et Charlie Villanueva. Ben Gordon à droite, Charlie Villanueva à gauche. Ben Gordon, allons voir. Ça se passait comment pour Ben Gordon? Je suis sûr que c'était très très bien, non? Ben Gordon, c'était impeccable, non? Voyons voir comment ça se passait. Alors, Ben Gordon, ah bah, il est à Chicago, hein. Chicago les premières saisons, très très bien. Putain, il a même 21 points de moyenne. Après, il signe un gros contrat, et puis il n'y a plus rien.
Voilà. Un cauchemar. Alors encore une fois, c'est pas la faute des Pistons, je dis pas c'est la faute de Détroit, c'est juste qu'il y a un moment où quand tu commences à tout mélanger, c'est-à-dire incapacité de management, joueur de talent que tu peux pas retenir, et chat noir, il y a un moment, faut arrêter, je suis désolé. Donc désolé, Ben Gordon, il est arrivé, c'était prometteur à Chicago, il est passé par Détroit, et après la suite, bah, on sait plus, et Shai Villanueva, bah, ça a été compliqué aussi, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Je suis désolé, on peut dire que c'est le hasard des choses, mais il s'avère que, voilà. Donc cette magnifique image, je vous la remets. Ben Gordon et Charlie Villanueva, c'était leur gros deal. Le plus gros salaire de Ben Gordon, c'est à Détroit qu'il a eu. Ensuite, il a disparu des radars. C'est le début de sa chute. Un duo fort sympathique que je vous montre ici aussi. Oh, c'est bien joué, ça ! Derrick Rose, de retour après avoir fait sa résurrection dans le Minnesota. Passé par Détroit. Merci, au revoir. Christian Wood, très bon début. Là, on a essayé de s'en sortir. Tu n'as pas surpayé, donc c'était bien. Le trade de Christian Wood, si je dis pas de bêtises, c'est pour obtenir Trevor Ariza et Isaiah Stewart. Je crois. Mais je vous laisse confirmer. C'est pas une punchline, c'est juste factuel. Je laisse les fans des Pistons me confirmer, mais je crois que c'était Trevor Ariza et ce qui est devenu Isaiah Stewart, si je dis pas de bêtises. Parce que Christian Wood, c'est bien de l'avoir pas surpayé. Il avait fait un super début de carrière avec les Pistons, et ensuite t'as laissé Houston, les Lakers, les Mavs et tout se démerder avec Si Wood. Derrick Rose, donc comme j'ai dit, une bonne saison et puis c'est tout. Et puis mine de rien, bah, depuis les affaires Troy Weaver, on a quand même eu un petit bout de Jeremy Grant. Et là, c'était pas mal parce que tu as eu la signature quand même de Jeremy Grant qui a été assez bonne, bien sentie, hein, en sortie de Denver, sortie de Bulls, je crois, avec un tarif tout à fait honnête, qui fait le boulot. Je vous laisse confirmer, mais je crois que Jeremy Grant, dans le transfert à Portland, c'est devenu donc Jalen Duren. Je crois que c'est devenu Jalen Duren dans le trade. Et donc là, pour le coup, c'est bien joué. Et je crois que d'ailleurs qu'il y a d'autres petits picks à essayer de chercher qui ont des protections. Je crois qu'il y a même 2025 avec les Bucks ou un truc comme ça. Non ? Il y en a qui me disent que c'est non ? Je crois que Jeremy Grant, ça devient Jalen Duren hein, en termes de pick. Hein. Jalen Duren, c'est le pick des Knicks et Bucks ? D'accord. Ok. Alors je me trompe. C'est encore mieux. Je vais vérifier quand même. Parce que j'ai l'impression que, bon, que c'était Jeremy Grant. Je vous laisserai me corriger. Non, c'est contre un pic en 2025, Jeremy Grant. Bah, j'avais noté ça aussi. Je m'étais mis, donc, on va voir ce que donne le pic protégé des Bucks. Parce que je crois que les Bucks, c'est protégé 1-4 sur la draft 2025. Donc, je pense que les Bucks vont donner un pic de draft 2025, là, dans un an et demi, à nos amis les Pistons. Mais il va falloir bien drafter. Et comme je viens de vous le montrer, bien conserver ses joueurs aussi. Alors, quand on a fait le tour de tout ça, on peut se dire, est-ce que c'est pas aussi la faute à pas de chance ? Parce que les Pistons, il y a de tout. Les Pistons, parfois, tu te retrouves dans des situations où, bah, l'année dernière, par exemple, les Pistons, ils ont un des, si ce n'est le pire bilan de toute la NBA, et la loterie, elle te passe comme ça. T'as eu un bête de choix de draft, c'était Kate Cunningham, le mec est trop fort, je veux même pas de débat là-dessus, il est incroyable, faudrait juste qu'il soit ailleurs que dans le Roi Merlin FC, là, ou BC, d'ailleurs, excusez-moi. C'est gratuit pour le Roi Merlin, mais c'était pas du tout personnel. C'est juste qu'en fait, il y a un moment où on se demande si c'est vraiment une équipe de basket et une franchise stable. Mais Kate Cunningham sur le niveau, il n'y a rien à redire. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 fois où les Pistons, vu que je viens de vous balancer les histoires de bilan, bah, la loterie n'a pas été non plus hyper généreuse avec nos amis de Détroit. Mais alors, quitte à continuer hein, sur le personnel, puisque comme vous l'avez vu, c'est une affaire que je gère de manière tout à fait factuelle. Petit dédicace à nos amis les commentateurs. Bon, ça, c'est vraiment une balle gratuite, je me permets, mais j'ai un respect infini pour Georges Blaha et pour Greg Kelser. Greg Kelser, c'est le monsieur qui est à gauche et Georges Blaha, c'est l'homme qui est à droite. Très, très bien. Juste pour être parfaitement clair, Georges Blaha, ça fait 46 ans qu'il bosse avec les Pistons. 46 ans, donc c'est très, très bien. Greg Kelser, ça fait 25 ans qu'il est à ses côtés, donc ça fait depuis 1988. Et à un moment, il va falloir tourner la page, hein, les frères. Là, Blaha, ça devient compliqué. Hein. Et c'est une légende absolue. Je ne mettrai aucune punchline sur Georges Blaha. Le mec, il est légendaire. Il doit avoir son maillot retiré, mais tu sais quoi, ça se trouve, les Pistons, ils n'ont même pas retiré le maillot de Georges Blaha. Le mec, c'est une... Tu peux pas raconter les Pistons. Tu peux pas raconter les Pistons sans Georges Blaha. Tu peux pas raconter les Pistons sans... DJ Mason, le gars qui fait Detroit Basketball. Le mec qui faisait les intros de Ben Wallace dans les années 2000. Ben. Il est incroyable. Mais il va falloir tourner la page, là. Ça suffit. Surtout qu'ils avaient un bon gars pour prendre la suite.
Les fans des Pistons, je vous laisse me confirmer. Johnny Kane, c'est un des gars qui a pris la place de Georges Blas il y a quelques mois et qui faisait les commentaires en live, qui mettait une bête de patate. Et c'est cool parce que je commençais à m'endormir de ouf. Eh, les matchs des Pistons, je suis désolé, je m'endors. Confirmez-moi s'il vous plaît que vous vous endormez devant les matchs des Pistons. Et même pas une histoire juste de niveau de jeu, juste en termes d'atmosphère. Johnny Kane, moi je le kiffe, il met une patate, même sur des matchs pourris avec Sadiq Bey et tout, il mettait de la grosse frappe, moi je kiffais grave, et donc du coup, j'aimerais bien qu'il y ait aussi un peu de transition, parce que là les Pistons ça suffit. Ok, Count That Baby and a Foul, c'est très très bien Georges Blas, mais on arrête là, c'est parti, profite de la vie Georges, regarde une autre équipe de basket jouer, ou regarde du basket même, parce que là depuis 15 ans, je suis désolé, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Donc les commentateurs, j'aimerais bien que ça change aussi. Voilà, c'était juste ma petite goutte personnelle. Alors une fois que vous vous retrouvez ici, hein, après cette première heure, ma foi, de démolition en place publique, désolé les fans des Pistons, il faut toujours remonter vers le haut. Et je vous invite à consulter ce fameux tweet que j'envoie tous les ans, ou du moins que je relaie tous les ans. J'espère que si vous nous suivez depuis longtemps, vous le connaissez. Tant que tu as un bon prési, un bon propriétaire, un bon GM, tu peux dormir tranquille. Vous le savez, je l'ai envoyé il y a quelques années sur Twitter et je le ressors souvent parce que pour moi, c'était une vérité générale qui avait besoin d'être cimentée dans la tête de beaucoup de fans de NBA, mais ce n'est pas que je l'imposais, c'est juste mon avis d'une manière générale sur le basket. Je suis beaucoup plus chamboulé, moi, à titre perso, par les changements de propriétaire et de général manager et de vice-président ou président basket que lorsqu'il y a des transferts de joueurs ou de coach. Pourquoi ? Parce que il suffit de regarder comment ça se passe en NBA. Hein ? C'est lorsqu'on a une bonne structure qu'on gagne des titres. C'est comme ça. Voilà, 50 fois toutes les semaines pendant 45 ans exactement, c'est un des tweets classiques. On va mettre M. Dwayne Casey de côté. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vous présente donc Tom Gore, juste ici, et Ed Stefanski. Tom Gore, qui est donc le proprio de nos amis les Pistons, avec sa boîte, et Ed Stefanski, qui est un vice-senior, assistant, manager, voilà. Voilà, pédard. Ces deux messieurs sont notamment pas mal à la décision de nos amis les Pistons, avec deux autres hommes, enfin plutôt un autre homme, qui est souvent d'ailleurs beaucoup de décisions. C'est monsieur Arne Tellem, qui est juste ici. Je sais pas si c'est son fiston, mais je l'avais noté, Eric Tellem. Toujours très très agréable d'avoir des papas qui pistonnent leur fils. Bref, j'y reviendrai. Arne Tellem, qui est un des agents les plus historiques de l'histoire de la NBA, un des plus respectés. C'est un gars qui a eu Kobe, qui a eu tellement de joueurs légendaires. Il a représenté même des AD encore récemment. Et puis, il y a quelques années, il a dit « Fuck les agents NBA, je vais rentrer dans les affaires de franchise NBA vraiment. Laisser cette casquette et devenir notamment... manager, président d'opération basket, dans le management, et donc il a rejoint les Pistons. Alors, concernant ce quatuor, qui, comme vous pouvez le voir, attire la sympathie et beaucoup de richesse, Tom Gore, Ed Stefanski et monsieur Arne Tellem. Je vous le dis souvent, il faut toujours monter haut dans la hiérarchie pour comprendre ce qui se passe. Tom Gore et notamment Arne Tellem sont ce qu'on appelle des exceptionnels businessmen. Arne Tellem, c'est un mec, il est arrivé et c'est du self-made man à l'américaine où les gars se disent « Allez, je vais arriver tout en bas et puis avec une vision et un rêve, je vais monter tout en haut. » Donc pareil pour, même s'ils sont très très bien aidés dans leur cursus, hein, par certainement ce qu'il y avait comme structure familiale, il s'avère que ce sont des hommes qui ont tracé leur voie dans la société et qui ont réussi. Mais dans mon jargon, on appelle ça des businessmen. Ce sont des personnes qui sont très très fortes en business. Et c'est très important d'avoir des gens qui sont forts dans le business au basketball. Par contre, ce qui est cool, c'est d'avoir des gens qui sont forts en basketball dans le basketball. Et donc, en termes de pur business, si on regarde les moves qui ont été faits par Tom Gore, notamment, et par Arne Tellem dans son oreille droite, on peut dire plusieurs choses. Premièrement, comme je l'ai dit, ramener les Pistons downtown très très bien. Il y a des rumeurs et des histoires de vouloir ramener de plus en plus d'activités communautaire et sportive autour de Détroit. Donc Arne Tellem n'arrête pas de pousser dans tous les sens pour qu'il y ait des équipes de foot, donc de soccer, et d'autres pratiques sportives qui sont déployées dans le coin, parce que Détroit, il y a eu aussi des grosses périodes de galère. Donc là-dessus, en termes de business, pas de problème. Par contre, en termes de présence basket et de réflexion basket, non. Pas depuis que monsieur Arne Tellem est là, ça se voit, ou alors sinon il y a eu du piston, ou pas depuis que monsieur Tom Gore est là, ou qu'il a pu justement placer certains de ses petits protégés. Donc, un petit peu compliqué d'avoir une équipe qui est stable,
ou depuis 2010, j'avais pris la date 2010 pas du tout au hasard, quand je vous disais que depuis 2010, il y avait notamment le plus grand total de défaites dans l'histoire de la, pardon, dans l'histoire de la NBA. Depuis 2010, les Pistons sont l'équipe qui a le plus perdu de match. C'est notamment parce qu'on a eu un changement de propriétaire, de management, avec plusieurs coachs, avec plusieurs managements. Donc, du Joe Dumars qui a fait n'importe quoi à plusieurs reprises. Puis là, on va parler de Troy Weaver et des entraîneurs où parfois on a un petit peu rebondi de coach en coach en espérant que ça aille. Mais donc important de positionner ça, je voulais juste dire pour les chers fans de Pistons que depuis que Tom Gore est là et a pris la place de Billy Davidson, ancien propriétaire légendaire des Pistons, eh bien c'est la merde. Mais parfois c'est comme ça. Maintenant, le saviez-vous ? Petite dédicace. Est-ce que vous savez que Steve Ballmer a failli être le propriétaire des Pistons ? Nous sommes en 2006. Le Super Bowl était à Détroit. Et moi, Seattle, là où je vivais, ils avaient les Seahawks. Et donc, j'y étais allé. Et j'avais appelé Billy Davidson, qui à l'époque était le propriétaire des Pistons. Il m'a dit « Non, non, je veux pas du tout vendre la franchise, elle est à moi, pas de soucis. » Mais il était déjà dans sa période des 80 ans, quoi. Je lui ai dit « Écoute, tu sais quoi, pas de soucis, mais s'il y a quoi que ce soit qui change... » Tu m'appelles, il n'y a pas de souci, j'ai le portefeuille. Sinon, ta famille m'appelle, tu m'appelles, il n'y a pas de problème, mais on tient au courant. Billy Davidson, il est décédé. Et personne n'a appelé Steve Ballmer, pardon, qui est donc aujourd'hui le propriétaire des Clippers. Alors maintenant, il est très très content parce qu'il est propriétaire des Clippers, et je ne dis pas que ça aurait changé toute la donne, parce que les Clippers aujourd'hui, ce n'est pas comme si depuis Steve Ballmer, ils avaient accroché 150 rideaux. Avec des bannières et tout, etc. Il y a des galères. Par contre, s'il y a bien un manager passionné qui fout absolument tout dans sa franchise en passant par son portefeuille, sa présence en bord de terrain et donc il s'entoure de gens de qualité, c'est Steve Ballmer. C'est Steve Ballmer, je suis désolé. Après, on peut spéculer et se dire c'est des bons et des mauvais choix. Kawhi Leonard, Paul George, James Harden, Russell Westbrook, patati patata. Oui, mais ça, après, c'est le management. Steve Ballmer, il fait partie des proprios les plus respectés. Il est en train de construire un stade, allez le voir, parce que là, c'est la dernière année des Clippers, là, au Staples Center, en cohabitation avec les Lakers. Il est en train de construire une dinguerie monumentale pour les Clippers. C'est incroyable. C'est un gars qui va chercher son truc. Et Tom Gore, le problème, c'est que c'est le proprio des Pistons et que c'est ce qu'on appelle un businessman. Donc c'est quelqu'un qui est un peu intéressé par le basketball, mais qui n'est pas si présent que ça. Et s'il y a bien quelque chose qui est rapporté par les fans et les journalistes qui sont proches de Détroit, c'est que c'est un peu compliqué de développer une bonne franchise quand ton propriétaire, il est à moitié intéressé par ce qui se passe. Donc du coup, on est un peu bloqué. Je dois terminer cette petite masterclass avec deux hommes, bien évidemment, puisqu'on l'a dit, on fait par pyramide. Tout en haut, Tom Gore, Ed Stefanski, on passe par la famille Taleb, et ensuite, Troy Weaver, et bien évidemment, Monsieur Monty Williams. Alors, Troy Weaver est donc à la direction du management de Détroit. J'ai le sentiment que le fessier est un petit peu chaud pour Troy Weaver, hein, on va pas se mentir. Troy Weaver, ancien bras droit et protégé de Sam Presti à OKC, qui est arrivé à Détroit, qui a fait des choix particulièrement couillus. Alors, parfois, la faute n'a pas de chance, comme par exemple de se faire avoir avec la loterie. Parfois, des choix douteux. On peut dire ce qu'on veut, encore une fois, j'adore Killian Hayes, mais quand on va commencer à comparer Killian Hayes, Tyrese Haliburton et Tyrese Maxey dans la même draft au même poste, ça va être complicado. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, il y a eu des signatures qui ont été un petit peu tendues. C'est bien de vouloir redonner des chances à Marvin Bagley et à James Wiseman, ça ne marche pas. Et il y a eu du foutage de gueule dès les premières minutes où il était au management, puisque le premier soir de sa free agency, il nous a signé 5 intérieurs. On n'arrêtait pas de se foutre de la gueule de Plumlee, Jaïl Okafor et patati et patata. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas du tout avec Marvin Bagley, ils essayent des garçons, mais c'est un petit peu du tendre la main à des projets pour qu'ils essayent de se relancer. C'est formidable, je vous remontre le bilan des Pistons. Hein ? Nous sommes sur 12 défaites de suite. Donc le projet, il est sympa, c'est formidable, mais il y a un moment aussi où il va falloir regarder ce qui se passe au niveau du management et se dire, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas? Parce que le problème pour Détroit, c'est que tu peux pas tirer la carte virons le coach. Tu viens de le virer. On avait dit que Dwayne Casey, c'était mort. Ciao, bye bye. Donc du coup, Dwayne Casey, il a pris la porte. Merci, ciao. On l'a vu, c'était le dernier soir de la saison régulière l'année dernière. Dwayne Casey, le match, il s'est même pas terminé qu'on lui a dit, allez, casse-toi, fais tes cartons. Merci pour les services rendus. On a le pire bilan de l'histoire de l'humanité depuis 4 ans. Voilà, c'était horrible. Preuve à l'appui, je vous ai montré les stats.
Donc du coup, merci de nous avoir montré une bouillie de basketball. Donnons ça dans les mains de Monsieur Monty Williams. Du coup, comment est-ce qu'on attire quelqu'un comme Monty Williams ? Avec le plus gros contrat jamais donné à un coach de l'histoire. Si je dis pas bêtise, je vous laisse confirmer, mais j'ai fait mon travail de recherche. Plus de 75 millions de dollars donnés à Monty Williams sur les 6 prochaines années. Et quand on prend les bonus et compagnie, il peut toucher jusqu'à 100 millions de dollars sur 8 ans. Je dis bien 75 millions de dollars garantis sur 6 ans, et ça peut monter à 100 millions de dollars sur 8 ans, Monty Williams. Alors, bien évidemment, Monty Williams, coach capable, qui nous a montré bien des choses avec les Suns, qui nous a montré de belles capacités, notamment à bien entourer les copains avec Devin Booker, la bulle avec Ricky Rubio et notamment Aaron Baines, Devin Booker ensuite avec Chris Paul, Michael Bridges, Cam Johnson, on lui a mis des bons gars, il s'est bien développé. Là, on vient de voir ce qui se passe avec Ausar Thompson, on va voir comment il utilise Jae Anderen, Cade Cunningham qui est de retour sur le terrain. J'espère juste qu'ils ont fait le bon choix, parce que là, tu as déjà appuyé sur le bouton « on vire le coach », donc malheureusement, notre cher Dwayne Casey a sauté. C'est pas demain que tu vas faire sauter le président des opérations basket et le propriétaire, puisque Arne Tellem, il a envie d'avoir des parts dans la franchise. Et Tom Gore, bah, comme je vous l'ai dit, il est vachement intéressé par ce qui se passe maintenant que la franchise elle est à downtown. Donc, il va faire du business. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, oui, il va peut-être falloir faire des trades. Et c'est là que ça m'inquiète. Et c'est là que j'ai peur pour mes fans des Pistons et mes amis de cœur qui aiment cette franchise, salut Wax, salut Valentin et compagnie, c'est que lorsque tu es sur un sentiment de siège éjectable, ce qui peut être le cas dans les 12 prochains mois pour Troy Weaver, attention, tu peux faire ce qu'on appelle des panic moves. Et des panic moves, c'est très très simple, c'est je sens que je vais sauter, donc pour rassurer tout le monde, je vais faire un gros trade. C'est arrivé dans plein de situations ça. Donc contractuellement, j'ai été vérifié, Troy Weaver, il a eu une extension, donc normalement il est safe jusqu'à minimum l'été prochain, donc on va le laisser faire la trade deadline et la free agency 2024. Mais attention, parce que là les choix ils sont tendus et il va falloir vraiment des résultats, puisque c'est lui qui nous a mis notamment Monty en tant que coach. Attention, là on vient de voir Cade Cunningham prendre le micro et dire les gars, va falloir commencer à être pertinent devant le micro et pas dire on est bien, non désolé, on est de la merde. J'espère que Monty Williams, il a son vestiaire en main, parce que là, au bout de 15 matchs, t'as une série de 12 défaites, t'as Cade Cunningham qui est frustré, tu perds face à les Nuggets alors que les mecs, ils ont pas Murray, pas Jokic, pas Malone. Les mecs, ils ont dit, tu sais quoi, même sans coach, sans joueur, sans franchise player, sans All-Star, on s'en bat les reins, tiens, hey, mettez le bras gauche derrière le dos, on va les battre, vous allez voir, ils vont s'écrouler dans le quatrième quart-temps. Même ça, t'as pas pu surexécuter dans le Money Time. Alors, c'est chaud hein, de battre les Nuggets, je dis pas. Mais ça, franchement, c'était compliqué. Donc, j'espère que Monty Williams, il va vite nous mettre de l'ordre là-dedans. Parce que là, attention, il y a des jeunes et ils peuvent pas se retrouver dans un tel endroit. Et c'est là que j'en viens à cette jeunesse qui est plutôt cool. Regardez-moi ça, là. Cade et Kylian. On n'est pas bien, là. Cade et Kylian, on a envie que ça se passe bien pour eux. Et pour Ausar Thompson et pour Jae Anderen. Et elle est là, ma conclusion à venir. C'est que Jae Anderen, je kiffe. Et on espère qu'il va faire des grosses choses et que c'est pas juste un gars dans une mauvaise équipe qui fait des stats, mais je ne crois pas, parce que justement, il apporte dans d'autres choses. Il a cette mentalité Pistons et ça va le faire. Jae Anderen, on y croit. Bon move. Cade Cunningham, fallait faire le choix. C'est le choix, il est fait. On pourra revenir dans des dizaines d'années sur Jalen Green, Scottie Barnes, Evan Mobley, patati patata. Il s'avère que là, Cade Cunningham, c'est un monstre. Cet été, là, les gars de Team USA, quand il a joué contre l'équipe A, ils ont fait « pardon ». C'était le meilleur joueur sur le parquet, là, dans le scrimmage où il y a personne, pas de caméra qui sont autorisés. Ils ont fait, franchement, le mec, il est trop fort. Donc, Cade Cunningham, ça va très bien. Ausar Thompson. Alors, oui, certes, t'avais un bilan de merde l'année dernière, donc t'as pas pu avoir Wemby au final et t'as pas eu le premier choix de la draft. Pas grave. Ausar Thompson, t'as ton ailier du turfu. Le mec, il est incroyable. Il fait un début de saison de malade. Compréhension du jeu, hustle, jeu collectif. Son nom, il s'en bat les couilles. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le nom à l'avant, là. Il veut défendre. Il veut défendre le plomb. Il veut se donner. Attention Troy Weaver, attention Monty Williams, ne faites pas n'importe quoi. On a vu à Philly pendant le process qu'il y a des gamins qui se sont cassés la gueule, des mecs tellement talentueux, aujourd'hui on en fait des punchlines. Non, on veut pas de ça. Donc moi je retiens Cade Cunningham, je retiens Ausar Thompson, je retiens Jae Anderen. Mais je préfère prévenir, attention, quand on voit la courbe là, est-ce que je viens de tout vous expliquer là en une heure?
je serais pas du tout étonné que quand on arrive à la trade deadline, vous dites « Ah, on avait parlé en tout début de saison avec Bastien des Pistons, il va y avoir un panic trade, panic move. » Parce qu'en plus, c'est pas comme si nos amis des Pistons, avec la free agency de la saison dernière, ils avaient fait des dingueries. C'était une des 5 équipes qui avait le plus de capacité financière. Leur plus grosse signature, c'est Joe Ingles. C'est Joe Ingles. C'est Monte Mori, c'est Joe Ingles. Alors je sais, Détroit, ça attire pas tout le monde, mais il va falloir se poser des questions à un moment. J'en ai marre. Voilà. Mesdames et messieurs, il est 16h et j'ai terminé. Voilà, c'est ça que je voulais présenter ce soir, quand je vous disais que j'avais taffé le dossier sur les Pistons. Et donc je vous pose la question, et ça ne veut pas dire que vous devez répondre que oui. Est-ce que vous pensez que ce sont les Pistons la pire franchise de ces 15 dernières années, ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres franchises qui doivent être plus méritées? Est-ce qu'on est trop dans le maintenant et qu'il y a 12 défaites de suite et en fait ce sont les Kings parce qu'il faut arrêter? Ou est-ce que c'est Orlando, où on oublie trop? Je vous remets là le total de défaites là, depuis 2010. Voilà, là, comme ça vous allez être content. Les Pistons, je répète donc, depuis 2010, 706 défaites. Ils en ont plus large que les Kings, que les Wolves, que le Magic, que les Nets, que les Hornets, que les Knicks, que les Wizards, que les Pelicans, que les Sixers. Parce que les Sixers aujourd'hui ça va, mais on oublie trop le process. Le Magic s'est bien rattrapé avec Banchero, tout à fait. Et le Magic, ils ont eu quand même des belles années... Evan, Vucevic et tout, ça allait pas très loin, mais ça allait quand même au premier tour. Et puis ils ont eu Dwight Howard. Au début des années 2010, ils avaient prime Dwight Howard, quand même, hein, attention. Après, il a été vite transféré, mais ils l'ont eu un petit peu. Est-ce que ce sont les Hornets? Je sais pas. Moi, je dois vous avouer que ma conclusion, c'est la suivante. On est tout le temps en mode très bon boulot, j'ai confiance en Jaren. Ah, mon Wax! Ah, mon chéri de Wax. Attends, je me permets, je lis même en direct. T'es trop... Déjà, cœur sur Wax. Allez suivre Wax sur tous les réseaux, là. Si vous êtes fan des Pistons ou fan de NBA et que vous suivez pas Wax, vous avez un problème. Qu'est-ce qu'il me dit, mon Waxou? J'ai confiance en Jalen Duren pour l'avenir avec Osar et Cade. Ils ont fait l'erreur de pas miser sur des cadres pour les entourer. Je suis d'accord, on va leur mettre des vétérans. Je vais les appeler. Wax, je vais les appeler, je vais les menacer fort. Voilà, voilà comment ça va se passer. Ok, donc ma conclusion personnelle, c'est la suivante. Les Pistons, c'est une franchise mythique qui a un impact extraordinaire sur l'histoire de la NBA. Ils ont fait des choses folles. Tu peux regarder les 50 dernières années de la NBA et il y a forcément une trace des Pistons quelque part, dans la manière dont on joue, dans la manière dont le jeu a évolué. Les meilleures défenses de l'histoire de la NBA, il y a marqué P et Stones autour. Les Bad Boys, c'est incroyable. Demandez à tout ce qui s'est passé avec les Oakland Raiders, avec tout. Les jets privés, c'est eux qui ont instauré. S'habiller, les premiers gars qui se sont mis en costard. Les premiers gars qui se sont sapés en costard et qui ont montré aux jeunes qu'il fallait s'habiller intelligemment et bien pour représenter le business de basket et changer la mentalité américaine sur notamment la communauté afro-américaine. Les Pistons, ils étaient avant-gardistes là-dessus. Les Pistons du début des années 2000, Rashid Wallace, Ben Wallace, franchise mythique, âme incroyable. Demain là, il y a une saison des Pistons à 60 victoires. Tous les anciens et tous les jeunes vont kiffer. Et c'est rare d'avoir une franchise comme ça. Tous les anciens, ils vont se réveiller, ils vont dire « Ouais, grave, c'est un truc de ouf !» Et tous les jeunes, ils vont débarquer, ils vont faire « Franchement, c'est trop stylé, c'est trop dirty. » Il va y avoir Eminem qui va revenir au premier rang. Il va y avoir que des rappeurs autour de la région qui vont revenir et qui vont diss tout le monde. C'est sûr. Mais là, je suis désolé. On a punchline de ouf les Kings. On a punchline de ouf les Hornets. On a punchline de ouf les Wolves, les Nets, le Orlando Magic, quand c'était éclaté. Détroit, la couronne, elle est à vous. Depuis 2010, c'est la pire franchise de toute la NBA jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Elle est là, ma réponse. Et voilà pour l'explosé du jour, ma gueule. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je dois vous avouer que j'ai bien donné, là, et que je suis un peu exténué. Donc, exceptionnellement, je ne vais pas faire un quiz, mais je vais répondre à certaines de vos questions. Et donc, je vais aller sur le chat. Comme ça, je vais pouvoir regarder tout ça et fermer mes onglets. Ah, ça fait plaisir, là. Ça fait plaisir d'avoir ça un petit peu dans le rétroviseur. Hein? Hein, ma gueule? Non, ça, c'est Twitter. Pardon, je regarde Twitch. Comme ça, je vais pouvoir regarder un petit peu le chat. J'espère que vous avez passé un bon moment comme moi, hein. Parce que je sais que c'était un peu particulier pour les fans, mais que vous avez appris certaines choses. Et d'ailleurs, les outils que je vous ai présentés, là, c'est pas des choses que j'invente, hein. Allez vous renseigner vous-même.
Allez faire ces recherches. Tout est disponible. C'est ça qui est beau. Le chat, ça dit quoi? Je regarde les questions. Les pronos pour les 14 matchs. Ouais, bien joué. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. On va regarder du basketball ce soir. La preuve, les Pistons, ils jouent pas. Hop là. Alors, Charlotte Washington. Victoire de Charlotte. Orlando Denver. Denver, le réveil du champion. Atlanta Brooklyn. Brooklyn. Boston Milwaukee. Boston. Cleveland Miami. Miami. Indiana Toronto. Indiana. Houston Memphis. Houston! Dion Brooks game. On va regarder ça fort. Minnesota Philadelphie. Attention, il n'y a pas Joël. Joël? Joël, attention. Joël, j'adore. Hein. Parce qu'après, il y en a qui vont dire que je suis un hater et tout. Joël Embiid, j'adore. Et ça. Oh! Je suis à Rudy, là. Il y a quoi? Fallait jouer. Adebayo, il est out. C'est pas grave. Miami, ça va quand même gérer. Minnesota qui bat Philadelphie. Les Kings qui battent les Pelicans. OK, ici, qui va gérer les Bulls. Les Clippers qui vont battre les Spurs. Phoenix qui va battre Golden State. Les Mavs qui vont battre les Lakers. Et Utah qui va battre Portland. Voilà ce que je pense des 14 matchs. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que tu connais le comptoir NBA sur Twitter? Oui, je connais plein de comptes qui font des bonnes choses sur Twitter. N'hésitez pas à vous faire des heads up. Est-ce que tu as vu l'interview d'Anthony Edwards qui dit qu'il veut être le premier joueur en NBA à être en NFL? Ouais, on lui demande de passer le ballon, ce qui n'est pas très très cool. Ouais, je l'ai vu. C'est lol. Est-ce que Tatum joue ce soir? Je sais pas, en tout cas il a joué les Hornets, donc forcément il était chaud patate. Que penses-tu de Luka? C'est un excellent joueur de basketball. Et on va voir justement dans un gros match face aux Lakers s'il peut être le meilleur joueur sur le parquet. Que ferais-tu si tu avais les pleins pouvoirs du côté de Détroit? Ah, ça j'aime ce genre de question. Si j'ai les pleins pouvoirs, donc déjà j'arrive et je dis Tom Gore, là va vendre des savons, là va vendre fais des cintres, des calendriers de l'avant, fais autre chose, fais du business, vas-y Walmart, fais des trucs là, ouais, hey, tu sais quoi, rachète Instagram. Prends ton fric là et nous on veut quelqu'un de passionné. Ensuite, je prends des gens autour de moi qui sont passionnés par le basket. Donc certes, c'est des gens de qualité, mais je m'en fous des joueurs, je m'en fous de tout ça, je veux des gens intéressants. C'est pour ça que notamment je vous dis, tenez bon à Washington, il y a eu un changement de direction et de proprio, donc à suivre, bouton rouge. À Détroit, je fais, ok, très bien, on arrête l'histoire de Marvin Bagley, James Wiseman, etc. C'est bon, Jane Duren, un autre gars potentiellement, ne faites pas de bêtises avec Isaiah Stewart, en plus vous l'avez bien développé. Attention, ils vont vouloir le transférer là en février, je vais être vénère. Comprendre que Kate Cunningham, c'est pas un gars qu'il faut prendre pour acquis, attention. Le mec, il est trop fort, donc il faut bien entourer tout de suite là. Vétéran, leadership, pas juste Joe Harris et Monte Morris, du vrai vétéran. Orlando est allé prendre Joe Ingles, du vrai vétéran. Des gars qui comprennent bien, qui entourent les jeunes. C'est parti, on y va. Coach, bon bah, je dois me bouffer son salaire, hein, donc je vais pas, voilà. Et je donne 12 mois à Troy Weaver pour essayer de rattraper son merdier là. Attention, parce que là, ça commence à avoir une sale gueule quand même pour Troy Weaver. Pas étonné si dans un an on fait un aller café et il est sur le canapé là. Allez, je prends encore quelques questions et après je vais vous laisser. Que penses-tu du trade de Donovan Mitchell quand on voit les nerfs des Cavs sans lui? Non, c'est un peu tôt. Donovan Mitchell, je crois, il va être agent libre l'été, pas cet été-là, mais le suivant. Donovan Mitchell, je le vois bien vouloir vraiment, 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 vraiment aller à New York. Donc, je vais juste surveiller. Voilà. Tu penses quoi de ce début de saison pour nos Hawks? Bah, j'en parlerai en long format la prochaine fois. Mais Trae Young joue pas hyper bien. En tout cas, ne shoot pas hyper bien. J'en ai marre de DeAndre Hunter. J'adore Jalen Johnson. Je pense que si ça défendait un petit peu mieux, ça irait. On a un rating offensif de fou furieux alors que Trae Young n'est même pas au top. Donc, il y a de la marge. Retour de DeAndre Hunter et de Clint Capella dans les rumeurs sur les 4 prochaines semaines. Surveiller Landry Fields et Kyle Korver, parce que c'est ça qui m'intéresse. Pas Quinn Snyder et tout ça, ça va se mettre en place.
Et puis de toute façon, on connaît le plafond de ces Hawks-là, hein. On va pas non plus se faire de... Voilà. Non, ça va. Ça va. C'est pas horrible, c'est pas incroyable non plus. Ton pic TTFL de cette nuit. Alors, quelle daube j'ai envoyé sur le parquet ? Qui vous avez mis, vous, en TTFL ? J'ai mis quoi, moi ? Siakam ! Siakam face aux Pacers. Pascal Siakam face aux Pacers. Oh ! Pascal où ? Ah, tu vas me faire quelque chose, là, non ? Hein ? Hey, allez ! Tu penses que les Bulls demandent quoi contre Caruso ? Bah, faut demander aux Lakers. Vas-y, prenez Rui Hachimura, là, laissez-le tranquille. Allez, je prends encore trois questions. Que penses-tu de Jordan Hawkins ? Je t'invite à regarder la preview des Pélicans. C'était mon Gérard Dor. C'est un jackpot. Il est en train de cartonner dans le marasme des Pélicans. Enfin, marasme, je suis méchant, mais bête de sniper, bête de joueur. Il faut des gars qui savent sanctionner à 3 points. C'est un des meilleurs snipers de sa QV avec Grady Dick. C'est très bien, Jordan Hawkins. C'est bien. Voilà un garçon qui a saisi son opportunité. Il va faire une longue carrière, ce garçon. Yo, Bastien, est-ce que monsieur SGA peut être MVP ? Regarde l'apéro sur le Thunder, il est sorti hier soir. Ah, je vais pas faire des redites, on en a parlé pendant 35 minutes avec Alex dans les poufs, donc je t'invite à aller sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On a parlé longtemps avec Alex Sinator. Il y aura même son avis en bonus. Magnifique. Allez, deux questions, ensuite je vous laisse. Orlando, top 8 cette saison, ça va tenir pour toi. Attention, parce qu'il y a des équipes qui vont préchauffer, c'est une longue saison. Mais Orlando a les outils pour. Donc pour peu qu'ils s'achoutent un peu mieux et que Markel Fultz et Wendell Carter reviennent, ouais, ils peuvent être top 8, ouais. En tout cas, ils peuvent faire le play-in, parce que top 8, maintenant, ça veut plus dire grand-chose. C'est surtout top 6 ou top 10. Mais ouais, ouais, ils peuvent être top 10, ouais. Orlando peut être top 10, hein. Alors on peut avoir 4 équipes qui sont pires que Orlando cette saison, hein. Minimum, hein. Déjà, t'as Détroit, Washington. Tu vas pouvoir aller chercher d'autres équipes aussi qui sont pas très très bonnes. Non, il y a des possibilités, hein. Et enfin, pour finir, est-ce que Bilal Koulibaly peut être un All-Star et une première option à DC ? Oula, on va lui laisser déjà la possibilité de faire une saison complète, de récupérer des hommages comme ceux de Damien Lillard et de Giannis Antetokounmpo récemment. C'est très bien, Bilal, c'est super. Voilà quelqu'un qui rentre dans une franchise qui est en train de faire un virage, d'arrêter le côté dysfonctionnel dont j'ai parlé pendant une heure et qui va essayer justement d'apporter quelque chose de tout à fait sympathique avec des personnes compétentes à la tête. On leur souhaite ça à Washington. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser... Le prochain gros projet signé TT, restez connectés. Je vais devoir vous laisser. Je tiens à remercier absolument tout le monde, les milliers de personnes qui étaient là pour voir la démolition en place publique de nos amis les Pistons. Fans de Détroit, ne le prenez pas personnellement. Si j'ai fait ça, c'était d'utilité publique. C'était pour créer un débat et pour mettre un petit peu l'église au centre du village et se dire « Merde, est-ce qu'on n'est pas en train de gâcher une des franchises les plus mythiques de l'histoire de la NBA ?» On se réveille. Hashtag, c'est factuel, pas personnel. Voilà. Sur ce, moi, ce qui va se passer, c'est très simple. Je vais aller maintenant me faire un café. On va avoir 14 matchs cette nuit, donc ça va être incroyable. Donc, tout le monde sur Twitter, je vais envoyer tout un tas de conneries jusqu'à 7h du matin. Il y aura toute l'équipe de rédaction qui va être là. Merci à toutes celles et ceux qui ont balancé des subs dans tous les sens. Vous êtes des amours, ça fait toujours plaisir. Je vais voir si parfois je peux faire des exposés comme ça, puisque j'ai l'impression que vous avez bien kiffé. On va voir sur quel sujet je pourrais un petit peu déborder dans les Allées Café. Ça peut être tout à fait sympathique à certains moments. N'hésitez pas à faire des suggestions aussi dans les commentaires. Et puis, merci à Léonce à la prod, comme d'hab. Et on se retrouve sur les réseaux. Je sais pas quand aura lieu le prochain Allez Café. Minimum lundi prochain. Et si vous êtes sage, il y en aura peut-être un autre surprise d'ici la fin de semaine. Parce que je suis chaud là et le studio est trop bien. Allez, je vous laisse en musique. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve devant la NBA. Fuck les Pistons.